Tussieux, selon vous, Ahmed, est-ce qu'il a réussi son pari? Il a à la fois pas Écoutez. humilié Kabila, mais à la fois il a pu rencontrer l'opposition et faire passer son message. Écoutez, moi, ça me fait rire, cette Oui. histoire de dénoncer comme ça des régimes et la question des droits de l'homme, etc. La Pourquoi? France donneuse de leçons Voilà. encore. Alors, pourquoi ça m'étonne? Je vais vous dire. On parlait des États-Unis tout à l'heure. Je vous donne un simple exemple, vous allez comprendre. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est un régime Théocratique. qui est théocratique, autoritaire, et ça, tout le monde le sait. Les États-Unis, tout le temps, en donnant de leçons, essayent, via ce qu'on appelle le printemps arabe, dire voilà, laisser ces peuples choisir eux-mêmes leur mode de gouvernance, etc. La Dirigeant. démocratie dans le monde arabe. Pourquoi jamais les États-Unis ont appelé à ce qu'il y ait carrément changement de régime en Arabie Saoudite? Pour la simple raison que le régime des Saouds aujourd'hui arrange les intérêts des Américains. Ça dure Absolument. depuis plus de 50 ans et c'est pas prêt de changer du jour au lendemain. Idem pour la France. Je vous dis franchement, rappelez-vous la Tunisie de Ben Ali. Dictature totale, jamais, au grand jamais, la France n'a osé critiquer les droits de l'homme en Tunisie. Chirac lui-même disait en 2000, en 97, si ma mémoire est bonne, ne vous plaignez pas, les Tunisiens, vous avez un très bon mode de vie, vous gagnez bien votre vie, vous avez, on va dire, des commodités intéressantes, le reste, ce n'est pas votre problème. Et le jour où Ben Ali a été renversé, Sarkozy, qui était au pouvoir à Paris, disait, on ne s'attendait pas à ce que les choses Tourne. soient Ça aussi aussi. dégradantes en Tunisie. Ouais. Mais arrêtons de voiler la face. Ouais. La France, aujourd'hui, est très bien consciente que Sa le colonie. respect des droits de l'homme est loin d'exister dans beaucoup de pays. Alors, quand elle a des intérêts avec un pays, on dénonce pas, on essaye de passer à côté. Dès qu'il y a, on va dire, une zizanie, et là, je pense que le torchon brûle entre Kinshasa et Paris, là, on commence à dénoncer. Alors, je pense sincèrement Non. que c'est de la poudre aux C'est yeux. de la poudre aux yeux. Et vous, Lucien, Ben Guigui, la ministre française de la francophonie, s'est déplacée à Alger et elle a dit plutôt qu'elle a été bien accueillie par le gouvernement algérien. Bah heureusement, on est Non, non, bien accueillie, hospitalier. c'est-à-dire qu'on a écouté avec intérêt. Voilà, Non, on on ne dit écoute. pas qu'on va mal Oui, accueillir. mais pour adhérer à la francophonie, non. Pour le moment, il est hors de question d'adhérer à l'organisation de la francophonie. Déjà, on préfère en Algérie dire les pays ayant le français en En partage, partage. Voilà comment on exactement. définit la chose. La francophonie, j'ai l'impression que ça a une connotation un peu colonialiste. Alors, dernière question, et je rebondis justement sur ce que vous... La méconnaissance qu'il a des usages diplomatiques, parce qu'il fait quand même des gaffes, quoi qu'il en soit, et c'est ce qu'on a vu traduit tout ce que l'on a dit de ce sommet-là. C'est-à-dire, ce n'est pas un sommet où les gens viennent, comme des pairs, discuter des enjeux qui les concernent. C'est l'espace de la francophonie, présidé par François Hollande, et c'est lui qui, pense-t-il, peut dicter, en quelque sorte, les règles du jeu. C'est ce que montre l'extrait, donc. Rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif son comportement, Suzanne? Excusez-moi, Madame Kawala. Kawala. Bon, moi, je voudrais dire tout simplement que tout à l'heure, je voulais intervenir parce que Suzanne avait l'impression qu'on disait qu'il faut aller à ce type de sommet. On disait tout à fait le contraire, que Paul Biya n'est pas là où il devrait être, c'est-à-dire au sommet africain, là où se jouent les enjeux africains, et pourtant on le trouve présent presque systématiquement à ce type de sommet. Bon, écoutez, moi je ne suis pas à l'école, hein, si vous voulez être le maître, je vous demande poser si... des questions. ça pourrait être, je viens à votre question. Maintenant, ce qui se passe là, à mon avis, n'est pas acceptable. C'est-à-dire, François Hollande, il a beaucoup hésité pour venir à ce sommet. Il a fait de ses hésitations quelque chose de public, où il a dit, voilà, il ne venait pas parce que Kabila n'était pas suffisamment démocrate, avait des problèmes de gouvernance. Il allait seulement venir s'il allait rencontrer les opposants, etc. Mais une fois qu'il décide de venir, il est tenu à respecter les normes diplomatiques. Et c'est justement ce rapport-là dont on est en train de parler. C'est-à-dire que nous, les Africains, on va systématiquement à ces sommets sans stratégie, sans enjeu, sans plan pour changer les rapports qui datent de l'époque coloniale. Donc, il va faire ce qu'il a fait.
Et ce qui est grave et qui est dommage, c'est que l'ensemble des chefs d'État africains qui sont là ne vont absolument rien faire pour dire ce que vous venez de faire, un manque de respect à notre père. C'était, il était tout à fait libre de ne pas venir. S'il avait décidé de ne pas venir, ça c'est son choix. Mais une fois qu'il décide de venir, il faut respecter. Les normes, il faut respecter. Marlise de Rabel, parce qu'on a vu non seulement il a fait tout ce qu'on a vu là, mais en plus, on peut dire qu'il a reçu tout ce que la République du Congo compte d'opposants au président Kabila. Il avait d'ailleurs dit qu'il allait le faire. C'est à peine s'il ne s'est pas rendu, s'il s'était dit à son domicile pour le rencontrer. Donc, quand même, c'était un peu fort, non? Ouais, moi, j'avoue que je suis déçu. Hein. Je suis déçu de voir que l'alternance en France ne va quasiment rien nous apporter. Alors que certains ont rêvé qu'un socialiste arrivant à la tête de l'État français aurait une attitude plus respectueuse des droits de la personne, eh bien, on se rend compte que non. Il s'est vraiment comporté comme... excusez-moi, je n'ai pas envie d'être désagréable, mais ça m'a choqué. Faut qu'on arrête de rêver. Ça m'a énormément choqué. Et je demande qui profite la francophonie. Qui devrait faire profil bas quand on est dans une assemblée comme celle-là? La France? Ben, bien sûr. Attendez, il y a combien de pays qui parlent le français dans le monde? Alors, nous devrions quand même être traités avec considération. Arrêtez quoi? L'attitude de Hollande, bon, Suzanne disait 9 minutes, mais c'est 9 minutes à des moments précis qui indique bien que Hollande a été en dessous de tout. Il y a un minimum de courtoisie dans les règles diplomatiques qu'il n'a pas du tout observé. Et ça, c'est une manière de traiter les gens un peu par-dessus la jambe. S'il ne voulait pas venir, il n'avait qu'à rester chez lui. Et s'il vient, qu'il traite Kabila de la sorte, avec beaucoup de mépris, parce que ça, c'est carrément du mépris qu'il a affiché, je trouve que ce n'est pas sérieux et que si c'est comme ça qu'il va traiter ses pères. Bon, je ne dis pas que le régime de Kabila est le pire ou le meilleur, mais il y en a d'autres pour lesquels on est beaucoup plus gentil, on ouvre les bras et tout, alors que ceux-là, les violations des droits de l'homme, ils sont connus. Je pense à ce qui se passe actuellement au Togo, je pense à ce qui se passe ailleurs. Donc quand il vient à un sommet comme celui-là, où on attendait sa présence, on ne savait pas très bien s'il venait, et qu'il se comporte comme ça, comme si c'était une réunion de partis politiques ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment un manque mais, de... Mais Henriette, est-ce que la faute à cette date-ci n'est pas à nous? C'est-à-dire que... Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ce n'est pas à nous, les Africains, du fait qu'on va à ces rencontres-là? Comme vient de dire Marlise, la France et la francophonie fait partie des choses qui font de la France un des grands pays du monde. Parce qu'il est à la tête de ce mouvement des pays français. Et donc, si nous, les Africains, la France ne va jamais changer ce rapport-là. Ça, je suis certaine. C'est à nous de le faire. C'est à nous de définir un autre rapport et de dire ça, c'est pas acceptable. Que nous devions prendre le destin en main et que nous définissions n'exclut pas que quelqu'un qui prétend s'appuyer sur un certain nombre de valeurs républicaines, égalité, fraternité, etc., ne respecte pas ces valeurs. J'ai déjà dit qu'il puisse se comporter, il faut aussi que les autres se comportent. Non. Je crois qu'il y a un discours qui me dérange souvent. Il y a une chose qui est claire. Ce que François Hollande a fait, il n'aurait jamais dû le faire. Il faut le dire. Maintenant, quand on va venir sur des questions autres, s'agissant de la stratégie africaine, on verra que même l'Union africaine, pour certains, ce n'est pas forcément la bonne solution. Même le NEPA. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on... Il est important, Suzanne. Hier, c'était Sarkozy à Dakar. Aujourd'hui, c'est Hollande à Kinshasa. Je ne mélange pas du tout les sujets. C'est une attitude qui naît de quelque part, naît d'une histoire qui est entre nous et la France. Et donc, il faut qu'on arrête de croire que c'est la France qui va changer ces rapports-là. D'accord. Sinon, alors, Malassé a voulu un don, et puis on lit le message.
sur ce que vous avez vu déjà. Il fallait que le chef d'État africain, quand même, puisse au moins attirer son attention sur le fait que les normes diplomatiques et autres, il y a un minimum quand même. Hein. Non, personne n'oserait le faire. Non, on ne sait pas. Il ne faut pas se le cacher. Aucun chef d'État africain, là, à Kinshasa, ne peut prendre le risque d'affronter. On a deux qui courent derrière la reconnaissance. Non, moi, je pense que. Oui, mais si on n'est pas d'accord, on ne peut pas nous affirmer. Non, c'est un procès. Oui, on n'est pas d'accord, mais on ne peut pas affirmer qu'il y a eu de remontrances. Sinon, les journalistes auraient relayé ça. Comment de toute façon, je ne peux pas. J'ai le temps de parole. Je pense que Hollande est prisonnier des opinions publiques occidentales qui ont condamné Kabila. Avant de l'avoir jugé, il est prisonnier justement de la pression des ONG de défense des droits de l'homme qui ont relayé justement un canevas d'exaction intolérable. Autant il y avait cette dénonciation là, autant il y avait un lobbying pour le faire venir. Autant les intérêts économiques ne sont pas la meilleure attitude ne consiste pas à afficher un comportement qui déteint sur l'image de la France, qui déteint sur l'image du premier Français dans le cadre d'un sommet comme celui-là où le plus grand gagnant est la France, qui trône au-dessus du système international de la francophonie. Moi, je pense que le registre offert par ces différentes bourdes montre à quel point justement il y a une arrogance dans le système de la francophonie par rapport à ces pays qui commandent justement la sous-traitance de certaines valeurs qui ne leur sont même pas concédées. Et je crois que là, il va de soi que Kabila est le plus grand gagnant de cette histoire parce que c'est attiré les sympathies qui n'était pas prévu au départ. Parce que le mépris affiché a fini par ranger des soutiens inattendus. Parce qu'un président de la France ne peut pas se comporter comme ça à un sommet de la francophonie. C'est comme si vous invitez quelqu'un chez vous et puis vous êtes mal élevé dans votre propre maison. Vous n'avez pas besoin de le faire venir chez vous pour faire ce genre de... Non, je voulais dire que en fait, on a quand même vu un début de réaction. Dignité. On a vu quand Hollande et Kabila, leur entrée dans la salle n'était pas la même. Elle n'a pas été célébrée de la même manière. Et donc ça, c'est déjà un début de sursaut. Maintenant, le reste peut se passer ailleurs. Ils mangent chez nous, non? Vous voulez dire quoi? Les contrats, non, mais il faudrait que M. Hollande fasse attention parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique représente quand même une source de revenus pour l'Occident et notamment la France. Donc, il ne peut pas se permettre de nous traiter comme s'il était dans un pays conquis. C'était trop sévère. En fait, j'espère qu'il va écrire une belle lettre à M. Kabila et à M. le président de la francophonie. M. Diouf, pour s'excuser. Parce que. Il faudrait qu'il ait conscience, même qu'il ait fait quelque chose. Alors, Suzanne, oui. D'abord, moi, je ne pense pas que Hollande ait subi la pression de son opinion publique qui aurait dénoncé les exactions. Non. Quand on connaît bien le Parti socialiste, on sait que sa politique africaine est tout, sauf une politique pour l'émancipation du continent. On le sait, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis le discours de la Gaulle. Même si ils ont paré leur discours de mots démocratie par-ci ou démocratie par-là. Donc je crois qu'il est dans la continuité et je dis que plus que la droite, le PS est dangereux parce que c'est un parti qui dénonce en apparence. Mais en réalité, c'est toute la nomenclature française qui est représentée aussi bien au sein du PS que de l'UMP. Donc, rien à attendre d'eux. Et contrairement à ce que vous dites à Goya, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de remontrance, on n'en sait rien. Et Marlise a raison de dire que l'accueil de Kabila, c'est une réponse
Et ce n'est pas une petite réponse. Et moi, je dis aujourd'hui, sur le continent africain, même parmi des régimes que vous combattez ou que nous combattons, il y a des gens qui ne se laissent plus marcher sur les pieds. Ils ne se laissent plus marcher sur les pieds, puisqu'il y a maintenant des coopérations multilatérales et qu'on cherche à avoir des rapports avec d'autres. Même si on n'est pas d'accord avec les pouvoirs actuels, on ne peut pas dire qu'on est comme il y a 50 ans où les gens sont bénis, oui. Alors, il y a un monsieur, bon, il n'a pas donné son nom, je crois qu'il est dans certains pays, ça va être la Guinée. Hein. Sarkozy avait méprisé toute l'Afrique, Hollande méprise aussi les Africains parce que nous sommes méprisables. Bavalé toujours est différé, défendez toujours vos bourreaux, d'après ce monsieur. C'est Fabrice Ndamdéré qui dit bonsoir les Africains, bonsoir les Africains aiment bien se faire humilier. Cyril dit qu'il est très affecté par cette image de la diplomatie française qui est pathétique. Les présidents africains devraient voir ça. C'est Oli Bianca. Cet extrait montre que notre président a raison de ne pas assister à ce genre de sommet. La colonisation ne peut pas avoir, ne peut pas finir de présence. Hein? Bon, c'est tellement abrégé que je n'arrive pas à lire. Bon, j'ai tellement d'abréviations. Hugues de Bata, c'est ça, les Blancs, nous en avons marre, la francophonie n'a pas d'intérêt pour nous. Hugues, il y a Bata en Guinée équatoriale. Merlin qui dit Kabila 2, Hollande 1, il dit bravo pour Kabila. Parce qu'il faut rappeler que lors de son discours, le président Kabila aurait quand même signifié à tous ceux qui ont tendance à se mêler de la démocratie congolaise. Qui se mêlent de leurs affaires. Oui, et qui n'ont pas de leçon de démocratie à recevoir. Bon. Il y a tellement de. Voilà, c'est Wadoum. Et Mme Kalaebe, le procureur du RDPC, elle a un rôle dans tout débat qui participe à contredire les panélistes. Camden qui dit que si nos politiciens ne peuvent pas nous écouter, pourquoi vouloir qu'on les respecte, que les autres les respectent. C'est Adawana. Il dit, avec ces attitudes-là, vous pensez que M. Biya, malin comme il est, va s'empresser d'inviter Hollande. Bon, il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Je suis pas sûr que ça va bien se passer. Hein. Bon, continuez à envoyer des mails. Je vais juste dire, Thierry, que il y a quelques, je crois, un mois ou six semaines, le révérend en Afrique du Sud, Desmond Tutu, a refusé de participer à une réunion où il y avait Tony Blair parce qu'il a estimé que Tony Blair que la guerre en Irak c'était un mensonge, etc. Et que pour une réunion qui parlait des droits de la personne, etc., etc., il ne pouvait pas se permettre d'être dans la même salle. Je crois que ce type d'action, c'est beaucoup plus fort de rester absent que de s'abaisser en quelque sorte. Hein. Hollande, lui, s'est abaissé. Ça aurait été beaucoup plus fort qu'ils disent que, bon, je reste chez moi parce que tellement je suis contre la manière dont... Aussi, alors, on passe à un autre sujet, toujours avec...